En fait, là aussi, il faut ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut prendre en considération la situation présente. C'est-à-dire que moi, ma théorie elle est très pratique. Il faut de la théorie. On a dit aux Africains, les Africains se sont laissés convaincre, quelquefois par pure paresse, que penser c'est un luxe. Qui sont trop pauvres pour penser. Mais si on ne pense pas, on ne sort pas de la pauvreté. Et il faut être sophistiqué, il faut penser. Et moi, je refuse de ne pas penser, surtout que je suis payé pour penser. C'est ça mon travail. Et vous savez, quand on pense vraiment, c'est vrai, probablement dans les années 60, ces États qui se sont proclamés nations, dont les territoires ont été dessinés au cours d'eau par l'expansion coloniale. En fait, les frontières de l'Afrique sont les produits de l'histoire de l'Europe plus que de l'histoire de l'Afrique, des compétitions européennes sur l'Afrique. Aujourd'hui, qu'on l'accepte ou non, qu'il y ait des problèmes ou non à l'intérieur de ces frontières, 50 ans après, ces frontières ont constitué des réalités sociales, des réalités politiques et des réalités économiques. Même s'il y a des problèmes, comme je dis. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que si on commence à faire un véritable travail de reconstitution des communautés politiques africaines, il faut les commencer à l'intérieur de ces frontières-là. Mais en étant très flexible, moi, je pense que ce qu'il faudrait commencer à faire dans cette reconstruction, c'est effectivement d'ouvrir les espaces frontières et de les co-gérer. Parce que ces espaces frontières sont souvent des espaces qui ont une certaine cohésion sociale et démographique. Donc moi, je verrais bien des espaces frontières le long du fleuve Sénégal qui sont des espaces où les projets économiques, les projets politiques sont des projets communs au Sénégal, à la Mauritanie, au Mali, à la Guinée. Et quand je dis co-gérer, c'est la souveraineté elle-même dans ces espaces devient une souveraineté partagée. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui encore une fois ce qui permettrait de régler toute une série de problèmes et qui permettrait effectivement aux communautés dites frontalières de pouvoir vivre une vie politique, une vie économique et une vie sociale beaucoup plus stable. Même l'Éthiopie n'est pas un bon cas, en fait. L'Érythrée a été adjointe à l'Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre. Donc, alors, ça voudrait dire que finalement, les Africains ont un... Le seul pays qui va être divisé en Afrique, le seul, c'est le Soudan. Donc, il y a une certaine stabilité en Afrique, contrairement à ce qu'on croit. Donc les Africains, finalement, ont intégré cette idée de... Oui, et même l'idée que le Soudan va être divisé en deux est quelque chose d'extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte. Et ça, c'est les Africains. Il y a eu des crises énormes, ce sont les Africains qui ont décidé cela. Ils font des choses intéressantes, mais j'estime que cette approche qui est une approche institutionnelle et gouvernementale n'a jamais réglé. Vous savez, si vous regardez, les historiens le font, si vous regardez toutes les initiatives qui ont été prises depuis l'OUA, vous savez, la seule question qui se pose, c'est pour ça, pourquoi est-on incapable, après avoir fait tous les diagnostics, après avoir proposé des solutions, que rien ne soit fait? C'est ça le problème aujourd'hui.
Pourquoi ne fait-on rien? Bon, peut-être, moi je n'ai pas de réponse, mais l'idée c'est que... J'en ai pas aussi, mais le problème c'est une question qui se pose. Donc l'Union africaine fait des choses, et certaines choses positives, mais l'Union africaine ne peut pas porter la transformation de l'Afrique. Il faut d'abord, comme je disais tout à l'heure, cette réflexion, il faut d'abord un projet, mais un projet qui est porté par les Africains, à l'intérieur des États africains. Absolument. Et c'est pour ça que la ville africaine est centrale. Contrairement à toutes les bêtises qu'on raconte sur les villages, etc., ce n'est pas dans le village qu'on va penser l'Afrique. Parce que les Africains n'ont pas créé un champ qui leur soit propre. Ou ce champ qui soit propre aux Africains n'est toujours pas consolidé. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures intellectuelles, parce qu'il n'y a pas une reproduction du savoir produit par les Africains. Et aujourd'hui, l'énorme problème, c'est ça. C'est pour ça que l'Afrique se produit hors d'Afrique aussi. Et cette production hors d'Afrique semble dominante, ce qui est un problème. C'est un vrai problème. Rapatrier la connaissance à l'Afrique et faire participer les intellectuels africains d'Afrique à ce débat sur l'Afrique est essentiel à la transformation, en fait, de l'économie des savoirs sur l'Afrique. Et ça, c'est un gros problème. Et elles ont commencé depuis pour le CODESEA depuis 1974. En fait, ce conseil a participé justement à la production de savoir qui assure la présence de l'Afrique. Et c'est un savoir très important qui est produit et qui circule et qui casse les barrières, en particulier entre anglophones, lusophones, arabophones et francophones. Avec l'Union africaine, le CODESEA est l'une des rares organisations qui est une organisation continentale de l'ensemble du continent, qui inclut l'Afrique du Nord et l'Égypte, et qui produit en arabe. Pas impossible, difficile. Il y a une extraordinaire production de savoir dans cet pays africain, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya. Il y a des trucs remarquables qui sont faits. Le problème, c'est en général l'absence de circulation. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce savoir qui est produit, c'est un savoir qui, quand il est produit à l'interne, c'est ça la différence avec l'Inde. L'Inde est tellement énorme que les intellectuels indiens produisent d'abord en Inde, et ces livres produits en Inde circulent à l'extérieur dans de nouvelles éditions. En Afrique, on produit à l'extérieur ce qui est un coût très cher, et les gens qui produisent à l'intérieur, cette production ne sort pas, ou ne sort que par la médiation des gens qui produisent à l'extérieur, ce qui crée des problèmes difficiles. Et en général, on ne sait pas, en fait, ce qui est produit en Afrique, parce que ce n'est pas tenu en compte. Je pense que c'est des analyses simplistes et primaires, en particulier les analyses de Collier. C'est complètement primaire. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a une production intellectuelle contre Collier en Afrique depuis très longtemps. En particulier au CODESEA, et celui qui a dirigé le CODESEA pendant très longtemps, Tandika Mukanda Wire, qui est maintenant le titulaire de la chaire d'économie africaine à la LSE, la London School of Economics, qui ont démontré que l'étude de Collier ne fonctionnait pas.
c'est encore une vision primaire qui a plus à faire avec les représentations négrophobiques qu'avec la réalité. Parce que pourquoi dire, c'est ce qu'ils appellent maintenant le natural resource curse ou le Dutch disease. Mais le problème qui se pose, c'est que, bon, c'est vrai que ça a existé dans beaucoup de pays, l'Angola, etc., le Nigeria. Mais pourquoi ne pose-t-on pas ces cas-là à un pays qui, comme le Botswana, où il y a des ressources naturelles qui sont très bien gérées? Donc ce n'est pas un truc universel africain. Il y a des cas où c'est arrivé, il y a des cas où ce n'est pas arrivé. Donc, et pourquoi il y a la même situation en Birmanie? Donc, que ça soit une loi générale, et c'est pour ça que ça s'appelle « Dutch disease », ça ne veut pas nécessairement dire que ça crée des situations. C'est seulement et uniquement et proprement africain. C'est vrai que ça existe, je veux dire, le cas de Tanja au Niger le montre. Il voulait bénéficier des trucs d'uranium. Donc il a essayé de forcer pour changer la constitution et avoir un nouveau mandat. Mais ça, c'est un cas. Mais on ne peut pas, à partir de cas singuliers, généraliser. C'est la généralisation qui est un problème. Non, mais c'est une généralisation qui est purement africaine. C'est même pas une bonne généralisation. On dit les Africains. Au contraire, moi, la thèse que j'ai est une thèse très simple, qui est très forte. L'idée, c'est qu'il y a une histoire générale des choses et l'Afrique doit s'inscrire dans cette histoire générale. C'est tout. Oui, je veux dire, mais on ne peut pas dire seulement « Ah, les Africains, c'est comme ça. » Parce que c'est pas vrai.